Voilà, la suite de nos programmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous être fidèles sur www.villagesemences.fr. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Au cœur de Paris, avec un soleil, on va dire assez mitigé. Une équipe, les émotionneurs, une équipe extraordinaire. Je le dis chaque jour et je continuerai à le répéter. C'est une dernière pour la mission Écoterre aujourd'hui, mais bien évidemment, on vous retrouvera comme chaque année l'année prochaine. Mais cette fois, j'en suis persuadé, au Parc des Expositions, à la Porte de Versailles, à Paris, Village Semences. Toutes les semences sont au service d'une alimentation saine et sûre. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de qualité de l'alimentation, tellement important, surtout en cette période de crise sanitaire. Circuit court dans nos territoires, il est là, à côté de moi. Il n'a pas bougé. Enfin, il a bougé, il est quand même rentré chez lui. Mais il est là. Laurent Bulger. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Directeur de l'agence BRT. J'aimerais savoir un peu ce qu'est cette agence. Tout à l'heure, on va l'évoquer. Avec plaisir. Il a évoqué les circuits courts, le digital, le local, le digital tout au long de la semaine. Il a apporté son expertise savante. On va plus le quitter à la mission Écoterre. C'est sûr qu'on va plus le quitter. Il est là près de nous. Et puis alors là, à côté, je l'avais annoncé hier par erreur. Mais à culpa, c'est moi et moi seul. Il est sociologue, auteur, chroniqueur gastronomique, monsieur Albert Namias, il est là. Albert, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes vous aussi extrêmement sollicité. Je suis ravi. Il va nous parler, bien évidemment, de qualité de l'alimentation, gastronomie. Un bouquin aussi, on va en parler, bien évidemment. Et puis deux duplex dans deux régions superbement magnifique. Alors on me dit tous les jours, mais toutes les régions sont belles quand on t'écoute. Eh bien oui, toutes nos régions sont belles et nos élus qui font un travail fantastique, magnifique. Ce sont des femmes et des hommes de terrain et j'insiste toujours pour leur rendre hommage. Avec nous donc, on aura en duplex de la mairie de Merville, Franceville, Plage. Et il est aussi président, maire et président de la communauté de communes Normandie-Cabourg, Pays d'Auge, monsieur Olivier Paz. Il est là. Bonjour Olivier, merci à vous. Quel temps fait-il chez vous? Un vrai temps normand. Il va faire beau plusieurs fois par jour. On n'en dit pas plus. Maurice Lecomte, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Béthune, Brué, Artois, Lys, Romane. Maurice, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Donc de Béthune, il fait très beau dans le cœur. En revanche, dehors, nous avons un ciel bas et beaucoup de vent. Voilà, on fait ce petit tour de France météo, c'est toujours sympathique. Vous savez, à Paris, ça vaut pas mieux. On va commencer par Maurice Lecomte, si vous le voulez bien. Je le dis, vous êtes aussi en charge de la ruralité et de l'agriculture sur votre territoire. Monsieur Lecomte, Quand on parle d'alimentation, vous voyez ça comme un vrai défi pour les familles? Oui, tout à fait. Donc un défi. Nous avons souhaité, dans le cadre de notre plan alimentaire territorial qui a été validé en 2009, impliquer les familles. Donc deux mots déjà sur notre plan alimentaire territorial. Il a été validé en 2019 pour la période 2021-2025. Il faut savoir que ce plan alimentaire territorial implique 300 acteurs locaux et habitants en 2018 et en 2019. Donc, comme vous l'exprimez, il a l'objectif de trouver des solutions pour permettre de relocaliser une partie de la consommation alimentaire en rapprochant producteurs et consommateurs. Et j'ai coutume de dire, pour cet objectif,
il faut aller du paysan au consommateur et de la fourche à la fourchette. Donc l'idée est donc de développer des boucles alimentaires vertueuses au travers des circuits courts, comme vous l'avez évoqué, qui bénéficient à chacun des acteurs de la chaîne alimentaire en permettant une approche un peu plus respectueuse de l'environnement, plus solidaire envers les habitants. Voilà, donc nous avons effectivement souhaité impliquer les habitants. C'est pour cette raison que nous avons eu l'idée de mettre en place le défi famille à alimentation positive et solidaire. Donc ça figure dans l'une des 30 actions du PAT de la communauté d'agglomération Béthune-Brouet-Artois-Lys-Romane. Oui. Donc ce défi à alimentation positive, il propose aux habitants, alors sans aucune exception, de s'attacher à des pratiques alimentaires à la fois plus économiques, bonnes pour leur santé et moins impactantes pour l'environnement. Donc 40 foyers indifféremment composés de familles avec enfants, personnes seules, de couples, de retraités ou d'actifs, qui sont issus des quatre coins du territoire, ont été invités à relever un défi. C'est pour cette raison qu'on l'appelait défi famille à alimentation positive et solidaire. Les familles volontaires et sélectionnées, elles vont bénéficier d'un accompagnement régulier dans le but de devenir de véritables foyers à alimentation positive. Donc elles s'engageront dans le cadre d'une charte afin qu'il y ait un suivi sur toute la durée. La durée sur une durée de 24 mois. Donc il s'agira pour nous, agglomération, de mesurer au fil du temps l'évolution des pratiques alimentaires des familles et de vérifier si elles correspondent aux valeurs portées par notre projet alimentaire territorial. Donc au travers d'un engagement, enfin de 5 engagements, le premier étant l'accès à une alimentation de qualité pour tous, de limiter l'impact des pratiques agricoles et alimentaires sur l'eau, l'environnement, la biodiversité, le climat et la santé, de cultiver l'identité du territoire et promouvoir le terroir, et de maintenir et de développer une agriculture attractive et rémunératrice. Donc, des professionnels qui ont été mobilisés par l'agglo dans ce cadre et dans le cadre de cette action ont été et soutenus par l'Europe, l'État, l'ADEME, vont animer les étapes du défi jusqu'en 2022, je vous dirai, ça fera au total une durée de 24 mois. Donc les familles participeront à différents temps forts, comme la visite d'exploitation agricole, des cours de cuisine, des conférences anti-gaspi et des invitations à des manifestations faisant la promotion des productions agricoles. Tout ceci est gratuit pour les familles impliquées. Nous avons reçu près de 80 candidatures, une sélection qui tient compte de la composition familiale, de la répartition géographique, notamment pour les différents secteurs que l'on avait choisis, vient d'être réalisée. Donc nous allons pouvoir lancer l'action avec 40 familles, les 40 familles sélectionnées. Alors, au bilan, donc il s'agira de voir si ces familles ont pris en compte les remarques qui ont été faites et si elles vont prendre l'habitude effectivement de consommer mieux tout en faisant appel à des circuits courts. Voilà. Merci monsieur Lecomte, on revient, hein. Vous restez là, hein. Vous nous quittez pas. Oui, non. Ah. Bon, on est bien ensemble. Olivier Paz. Alors on parlait, Maurice nous parlait de circuits courts. La thématique de tout au long de cette semaine, on en parle de plus en plus. On va l'évoquer bien évidemment avec Laurent, avec Albert aussi. Olivier Paz est là? Oui, tout à fait. Ah, Olivier, alors vous, votre circuit court, il est dans le livre des records. 300 mètres. 300 mètres. Alors vous allez nous expliquer comment on peut monter sur votre territoire un circuit aussi court. Alors donc nous avons à la fois une école maternelle, une école primaire, et j'ai toujours considéré que l'apprentissage du goût faisait partie des apprentissages fondamentaux, et c'est pour ça que on a conservé un cuisinier à l'école qui cuisine essentiellement avec des produits frais,
exclusivement même, pourrais-je dire, et le plus souvent avec des produits locaux. Et on essaye d'éveiller les élèves aux différents goûts, notamment on propose un plateau de fromage pour qu'ils apprennent à faire la différence entre un chèvre, un comté et un camembert. Ouais. Et on avait le souci d'améliorer encore cela, notamment pour les légumes. Et c'est chose faite depuis maintenant un an et demi. Nous avons acquis une parcelle qui est à effectivement 300 ou 400 mètres de l'école, qui était en friche. En réalité, il s'agissait d'une ancienne jauge de pépiniéristes qui mettaient là les plants en attendant de les emmener là où ils étaient plantés définitivement. Et cette parcelle était restée en état de friche depuis une trentaine d'années, donc n'avait eu aucun intrant, si ce n'est les arbres qui avaient poussé et les feuilles qui tombaient, qui faisaient un humus naturel. Et donc l'idée, ça a été de cultiver cette parcelle, de s'unir d'abord avec un centre de vacances, puisque les légumes n'écoutent pas, ne connaissent pas le calendrier scolaire, et donc ils poussent, ils peuvent sortir de terre à tout moment. Et donc, en se mettant avec un centre de vacances, finalement, on avait des besoins tout au long de l'année, et donc de cultiver, d'embaucher un maraîcher et de cultiver en permaculture 4000 mètres carrés, ce qui n'est pas une grande surface, mais ce qui en permaculture permet d'obtenir des résultats en termes de quantité assez impressionnants. Olivier disait, et là je m'adresse à Albert, qui est avec nous, le goût fait partie des fondamentaux. Alors Albert, vous qui avez traversé une partie de votre vie, mais elle est encore devant vous, hein, attention, hein, elle est encore devant vous Albert, avec cet ouvrage « Petite histoire des grands chefs », on en parlera après, mais pour vous le goût, on l'évoquait hors plateau, le goût est essentiel, la qualité est essentielle. Le goût, effectivement, le micro. Le goût, effectivement, est essentiel, mais... Le micro Albert. Je les écoute, j'écoute un peu leur programme, j'ai toujours entendu un peu le même discours, mais ça n'a pas l'air de beaucoup bouger, il n'y a pas d'effet. Le micro. Je veux dire, les paysans souffrent toujours, ils se suicident, ils ont des problèmes. Les circuits, ils sont courts, effectivement, mais l'agroalimentaire, ils les raccourcissent, ils vont vite. C'est pour plus de profit, pour vendre rapidement à leur prix. Si vous voulez, j'ai toujours entendu ces beaux discours-là, mais ça suit pas d'effet, quoi. Or, le goût, il faut former le client pour les restaurants, pour les écoles, les enfants. Il faut commencer très tôt, il faut donner des cours. La formation, il y avait... quelqu'un, Jacques Puiset, qui était président mondial des œnologues, qui avait monté une école et qui formait les enfants dès leur très jeune âge. C'est le maître mot, c'est le goût. Alors Albert, on ne peut pas nier quand même qu'il y a des progrès qui ont été faits quand on parle de circuits courts, quand on écoute nos deux amis élus, je défends personne, hein, mais des progrès ont été faits. Après, je pense qu'il y a des volontés politiques, peut-être que nos amis voudront peut-être là maintenant nous apporter quelques précisions. Mais je pense qu'au niveau des territoires, comme nous les connaissons à la mission Écoterre, je ne dis pas qu'on connaît tout, on s'aperçoit quand même qu'il y a des progrès. Et que peut-être, c'est la question qu'on peut se poser les uns les autres, que peut-être qu'avec cette crise sanitaire, il y a une prise de conscience. Du monde politique, je l'espère, de tout cœur, tout comme vous Albert, mais peut-être aussi de nos concitoyennes et concitoyens. Non mais c'est exact. Mais enfin, moi, ça m'exaspère un peu. Bon, les problèmes de l'agroalimentaire, des circuits, du client. Je veux dire, ça a pas changé. Mais revenons plutôt au goût, c'est essentiel. Moi, toute ma vie, je suis né dans une famille où on faisait pas très attention au goût, donc ça s'apprend. Ça s'apprend parce que j'ai épousé une femme qui était gourmande et qui faisait très très bien la cuisine. Et j'ai appris à manger avec elle. D'ailleurs, elle est devenue une chef reconnue.
Donc, il faut apprendre le goût dès le plus jeune âge. Enfin, j'étais complètement novice au niveau du goût. Elle m'a complètement formé. Donc, c'est faisable. On peut former les enfants dès leur jeune âge. C'est essentiel. Un peu de ce que nous disait, par exemple, Olivier Paz, avec ce circuit court à 300 mètres de la restauration collective. Ce que nous disait Olivier et Maurice Lecomte aussi, au niveau des familles. Vous voyez qu'on se rejoint et que vous rejoignez forcément nos deux élus. On va passer sur les circuits courts et sur la qualité de l'alimentation et sur le goût aussi, comme vous l'évoquez, Albert. Moi, je suis relativement d'accord avec Albert, même si je suis un peu plus optimiste, surtout quand je vois ces belles initiatives qui ont le mérite de connecter politique, nutrition, culture, identité et patrimoine. Parce que l'idée, finalement, le fromage normand, l'idée, c'est un travail effectivement d'éducation, de goût. Ouais. Et puis, c'est un patrimoine qui ne fait sens que s'il est transmis et s'il génère une fierté. Mais aussi bien le maraîcher dans le cadre du circuit court, ce travail pourra être fait à partir du moment où il va y avoir des éléments de comparaison que l'enfant ne pourra percevoir que par le goût. Parce que sinon, on pourra toujours dire « Ah oui, mais le circuit court, est-ce le même produit qu'en grande surface ?» Et ça, cette discrimination... elle peut se faire par un travail de goût qui, effectivement, demande du temps. Hein, et des moyens. Et des moyens, bien sûr. En tout et des cas, moyens donnés aux paysans pour bien faire et gagner leur vie. Ouais. Ouais. Quand on parle de moyens, Olivier Paz. Olivier. Oui, je vous entends toujours. Quand on parle de moyens et quand il s'agit de cette... de ce circuit aussi court de cours. Je suis vraiment admiratif sur votre démarche. Comment ? Court et hyper local. Voilà, court et hyper local. Court et hyper local. Au niveau du financement, puisque voilà, le nerf de la guerre, malheureusement, les collectivités souffrent énormément aussi. Ça aussi, il est bien de le noter. Olivier, au niveau du financement, hein, sur votre démarche. Alors déjà un tout petit mot sur les produits parce que j'entendais ce qui vient d'être dit et je vois par exemple les melons. On vit sous la dictature du melon de Cavaillon. Or il existe un melon qui s'appelle le petit gris de Bretagne et qui nous permet nous en Normandie en septembre-octobre d'avoir des melons magnifiques, très sucrés. Et le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que on travaille uniquement avec des produits qui sont les mêmes dans toute la France. Il faut retrouver l'habitude de produits qui sont plus locaux et adaptés au climat. Je passais cela. S'agissant du coût, bien entendu, ça coûte un peu plus cher que quand on achète à la restauration collective des repas tout prêts à 1,80€ ou 2,50€. Le repas, nous, doit être vendu aux alentours de 4€ aux familles, sachant que les familles qui ont des petits moyens peuvent bénéficier d'aide du Centre communal d'action sociale. Et il nous revient infiniment plus cher. Mais comme je vous le dis, on considère que c'est un apprentissage, de la même manière que on dépense de l'argent pour que les enfants apprennent à aller à la piscine, eh bien on dépense de l'argent pour que les enfants aient dans leur assiette des produits de qualité. Alors, pour porter ce projet qui ne va rendre pleinement atteindre ses objectifs qu'au bout de 4 ans à peu près. Il faut 4 ans pour que la permaculture soit parfaitement opérationnelle. Eh bien, on a sollicité les fonds leaders qu'on a obtenus et on accepte d'avoir un surcoût pour la cantine qui est de l'ordre de 15 000 euros par an pour servir 160 rationnaires tous les jours. Oui. C'est pas Albert. Les gens sont prêts à payer plus s'il y a la qualité. Ouais. C'est pas un problème. Mmh. Il faut leur apprendre à mieux choisir, à choisir la qualité, et quitte à ce qu'ils la payent un peu plus cher. Mais là, ils n'ont
C'est cher et ils n'ont pas la qualité en plus. La formation, Albert, on a bien compris, l'apprentissage. L'apprentissage, la ménagère, lui apprendre à, quand elle va acheter un produit, à lire ce qu'il y a sur l'étiquette, sur la boîte. Il y a tellement de produits nocifs qui entrent dans les produits qu'on vend, des colorants, des épaississants, des trucs, des calamités oui. de toutes sortes. Il faut leur apprendre aussi à... Donc c'est l'information. Quoi. Alors l'apprentissage, Maurice Lecomte, vous parlez de recrutement de jeunes pour certaines exploitations agricoles, de qualification, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Là encore, c'est une fierté que l'on a au niveau de l'agglomération, parce qu'on essaye aussi de faire en sorte d'apporter de la main-d'œuvre dans les exploitations. Parce que toutes les exploitations ont besoin de main d'œuvre. Plus on avance dans le temps, et plus on a besoin de main d'œuvre. Et notre territoire est caractérisé à une caractéristique particulière, c'est qu'il est divisé quasiment en deux parties. Une partie où il y a de la production légumière, et une autre partie où c'est de la culture industrielle. Et on s'aperçoit que de part et d'autre, les producteurs, les cultivateurs ont besoin de main d'œuvre. Alors, dans les grandes cultures, ben, parce qu'ils veulent être remplacés, parce qu'ils veulent prendre des vacances, parce qu'ils sont malades ou autre, et dans du côté de la culture légumière, ben, parce que si on veut cultiver biologique ou avoir une culture à haute valeur environnementale, ben, c'est terminé, on se passe des produits et puis on reprend la binette. Donc, tout cela, ça demande que l'agriculteur puisse être remplacé et puisse avoir de la main d'œuvre à disposition. Donc, on s'est penché un peu sur ce problème-là pour que on puisse alimenter au travers un groupe d'employeurs des ouvriers du légume dans les exploitations qui sont en manque de main d'œuvre. Donc, de ce point de vue-là, plusieurs partenaires ont été mobilisés. Comme le plan local de l'insertion et de l'économie, qui mobilise des publics et qui organise une pré-qualification ouvrier du légume. Alors là où effectivement on est particulièrement fiers, c'est qu'à ce jour, une dizaine de personnes sont suivies par nous, par les partenaires, afin de passer cette étape de qualification. Alors quand on fait la relation avec ce qui s'est passé, ce qui se passait auparavant, puisque moi j'étais enfant, j'étais dans un secteur très agricole, donc nous petits, on allait donner des coups de main aux cultivateurs. Maintenant c'est plus le cas du tout. Passé un moment, ils n'en avaient plus besoin. On s'aperçoit maintenant que le besoin, il est de nouveau prégnant. Donc nous avons sélectionné dizaines de personnes, ils suivent les étapes de préqualification et on veut encore aller plus loin dans ce domaine en lançant dès cette année une étude sur la gestion territoriale des emplois et des compétences. Voyez les. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est bien. Albert, voyez, il y a des initiatives. Oui, ça. Il y en a. Il faut aller gratter, les chercher et surtout les encourager, les aider, les encourager, les aider, Albert. Je le disais, petite histoire de grand chef. Je l'ai découvert. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Voilà, on peut bien le voir à l'écran. Il est là. Voilà. Je l'ai découvert hier. Hier, je l'ai pas lâché. Avec une préface d'Alain Ducasse. Alors, pourquoi cet ouvrage, Albert, vous parliez de votre épouse. Oui. C'est ça, qui est au centre d'ailleurs de cet ouvrage. Hein. Elle est omniprésente. C'était une jeune femme. C'est atypique. Normalement, quand on voyait, on parle de cuisinière, on pense aux mères lyonnaises, des femmes d'un certain âge, d'une certaine corpulence. Elle était jeune, jolie, et personne ne croyait que c'était elle qui envoyait de la cuisine. Je me rappelle Robert Courtine du Monde. Il me dit, c'est pas elle qui fait la cuisine, c'est pas vrai. Alors il ouvrait la porte du restaurant et il courait dans la cuisine pour voir si c'était elle qui était devant le fourneau. Et c'est un parcours de 40 ans. C'était une époque bénie, c'était l'époque des années 70-80, c'était l'âge d'or de la restauration française.
C'était les Guérard, évidemment. Albert, quand. Alors, ouvrage illustré, hein, ouvrage oui. illustré. Alors, il y a quelques anecdotes, je ne vais pas dire croustillantes, mais très oui. intéressantes. Oui. Hein. Oui. S'il y en a mais une. Parce que le monde de la cuisine, c'est un monde de plaisir, de gourmandise. Ça l'est moins, il y a moins de plaisir, moins de joie dans le monde de la gastronomie. Je pense que les impôts, les taxes et toutes ces funestes là aussi, y aurait, complications hein. Ont terni leur joie. Quoi. Bon, c'est beaucoup plus difficile. Il y avait une générosité, je me rappelle par exemple, il y avait un chef en Bourgogne, Creuse. Quand il recevait des amis restaurateurs, c'était la fête. On arrive un jour, le week-end, je lui dis « Mais écoute, on s'arrête pour prendre un verre avec toi et puis on doit rentrer sur Paris. Il n'y a pas de problème, asseyez-vous, on va vous servir à boire. » Bon, il nous sert à boire. Pendant ce temps-là, des gars de la cuisine avaient démonté les pneus de la voiture. Il oui. a dit « Maintenant, tu n'as plus de roue, tu es obligé de rester tout le week-end. Voilà. » ouais. C'était l'insouciance. C'était une fête d'être. Bon, la vie était beaucoup plus facile. C'était les années Pompidou aussi, un peu. Il y avait économiquement, tout allait bien en France. Ça change aujourd'hui. Le métier est plus difficile, moins drôle. On reviendra. Laurent, alors, il nous accompagne, vous l'avez vu. Depuis le début de la semaine, il est directeur de l'agence BRT, circuit court et tout. On va parler de ce qui a été évoqué comme chaque jour. C'est passionnant. Mais, hein, BRT, alors, vous allez nous dire quelques mots quand même sur votre entreprise. Quelques mots. On est BRT. Alors, BRT, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être généreux, être consistant, être présent en cœur, mais c'est consistant, généreux, être copieux. Voilà. Oui, ouais, absolument. BRT. Ils se rejoignent tous les deux. Hein. C'est une agence conseil en transition positive, sociétale, sociale et environnementale. On accompagne. Ouais. C'est un mix entre l'agence conseil en RSE et le cabinet en communication print et digital. D'accord. Voilà. Alors, quelques mots. Il nous reste 3 minutes. Hein. 3 minutes, c'est peu. Vous voyez, le temps sûr, court très, très vite quand on est bien. Sur ce qui a été dit, mais alors vraiment quelques mots, Laurent, sur ce qui a été dit aujourd'hui. Je trouve que c'est des très belles initiatives. Je suis de l'avis d'Albert, mais je trouve que là, il y a une vraie implication politique. Et c'est particulièrement intéressant dans les deux cas, parce qu'on voit bien, dans le cas de monsieur le préfet, je veux pas écorcher votre titre, dans le cas de Béthune, notamment, on voit que ça débouche sur la création d'un nouveau profil. On est sur de la GPEC, on est sur un retour de nouveaux métiers avec des niveaux de formation différents, réinvestir les lieux. Et ça, c'est un gros enjeu. Et dans le cas de la Normandie, effectivement, c'est un enjeu de fond, de santé publique, de culture, d'éducation. Et c'est là qu'on fait l'avenir. De productivité aussi. Ils veulent produire. De productivité. Mais oui. D'accord. De productivité, de rapidité, de retirer les bénéfices. Quoi. Les bénéfices. Donc... il faut donner aux paysans les moyens de faire bon, ouais. de qu'ils gagnent assez leur vie pour pouvoir ouais. faire du bon. J'aurais voulu les entendre sur la main-d'œuvre étrangère. Est-ce que vous faites appel, par exemple, en Normandie, ou c'est que du local? Rapidement, s'il vous plaît. En Normandie, Olivier, il est plus là. Bon, écoutez, on arrive au terme. On aura la réponse un jour, on vous promet. On arrive au terme. On arrive au terme de notre émission. Alors, Olivier n'est plus là. On le remercie. Maurice Lecomte, on vous remercie infiniment. Et puis, bravo pour vos initiatives. On en est tous conscients et extrêmement sensibles. Albert, très merci. Sensible aussi au fait qu'ils disent qu'il faut que ça soit copieux. Voilà. Laurent, merci également. Bon, ben voilà, on arrive au terme. Alors après, tout de suite après, vous savez, Philippe Lefebvre,
mon ami qu'on retrouve chaque année, qui sera là à ma place dans quelques minutes. Surtout www.villasemence.fr. Voilà, je voulais remercier. Alors bien évidemment, Village Semence, c'est Maé, les émotionneurs, l'affection que j'ai pour tous ces gens, vous pouvez pas savoir. Je suis déjà impatient pour l'année prochaine. Voyez, ils sont là, les techniciens, tout le monde ici à Paris et ailleurs. Ils font un travail admirable, ils sont gentils, ils sont beaux, ils ont tout pour eux. Je les remercie. Je voulais aussi remercier Nathalie Héroin, qui est la directrice administrative de la mission Écoterre. Elle fait aussi un travail considérable parce que l'administratif aussi est important de nos jours. Et puis il y en a un qui est là-bas. Voilà, il est caché quelque part. Il s'appelle Quentin Melemiestre. C'est mon collaborateur, directeur du développement de la mission Écoterre et qui est en charge nos bureaux à Dunkerque. Il m'a aidé tout au long de la semaine à préparer ses émissions. J'arriverai pas à le faire venir, hein, je sais pas pourquoi, mais non, il veut pas, il a le masque, etc. Il est là-bas, voilà. Et il est aussi plein de talent. Ouais. Voilà, eh ben, à l'année prochaine, surtout, portez-vous bien, mangez bien, dormez bien, prenez vraiment soin de vous. Promis, on sera là l'année prochaine. Bye bye.